Hey, hey, hey! Bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode du Ticket Challenge. Ah, c'est rigolo, il y a quelqu'un qui a fini. Mais ça va trop bien avec l'époque en plus. Nouvel épisode du Ticket Challenge. Ah, c'est vrai, nous étions en train de faire cracounette dans la petite chambre. Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Et ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Les morveux n'ont pas de problème de monstre. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Et je crois que Joséphine, elle poudoucou. Elle pouf. Célébrer l'anniversaire d'Arthur en organisant une fantastique fête. Arthur! Cuillère! Non, Arthur, il va grandir. Ah non, toi. Bon, c'est pas à cause de du monstre, donc tout va bien. Il est 6h du matin, nous sommes lundi. Oh là là, ma pauvre Joséphine. Va prendre un bain. Retour de suite. Alors, Joséphinette, t'as fait cracounette. Est-ce que tu serais pas en cloque? Vu que tu es hyper fertile comme meuf, quand même. D'ailleurs, en parlant de fertilité. Vous voyez qu'elle a pas, elle a pas tous les traits. Je sais pas si elle a. On n'a tellement pas eu le temps de bosser sur avoir aidé enfant à faire ses devoirs 3 fois. D'accord. Note maximale dans une compétence. Oula, mais c'est compliqué ça. Il va falloir que tu fasses la lessive aujourd'hui, ma belle. T'y as échappé, je crois, la dernière fois. Mais là, ce coup-ci, ça va pas être possible. Hein. Ça va être lessive day. Today is lessive day. Et Arthur va déjà grandir. My God. My God. Le petit. Ah, tout, il clignote! Ah, ça y est, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bah, ça commence au moins déjà. Pff. On va cuisiner un petit gâteau blanc pour l'anniversaire d'Arthur. Louise et Albert vont aller à l'école. Ok, toi, t'es bien. Il faudrait que tu ailles aux toilettes, en fait. Non, mais dans ce cas, tu vas te laver les mains, te laver les dents. Arrête. Albert. Bah Albert, il est bien. Albert, il est bien. Je vais le laisser dormir. Louise. Après, tu peux peut-être faire ça. Ah, la musique, elle est trop cool. On est peut-être... je sais pas si on est pile dans l'ambiance de cette époque-là, mais... Je m'y connais pas trop encore en thème de musique en 1890, qu'est-ce que c'était? Mais on n'est pas très très loin. Au pire, j'ai l'impression que ça pourrait être années 20. Mais j'aime beaucoup, l'ambiance elle est canon. Oh bah voilà, c'est bien. Est-ce que tu peux du coup utiliser avant d'aller à l'école? Alors, on va faire le petit gâteau. Oh là là, Joséphine aujourd'hui, ça va pas être ta journée. Tu as énormément de choses à faire. Il va être 8h, donc pour l'instant, elle va aller aux toilettes, c'est très bien. Joséphine et ses skills en cuisine. Il y a du mieux quand même. Hein. Pierre-Nard, lui, il dort tranquille. Bon, elle a pas dormi, hein. En fait, elle puait tellement que s'est dit non, mais je peux pas dormir jusqu'au bout, quoi. Bon, je lui ferai faire une bonne petite sieste. Va te laver les mains dans un truc dégueulasse. Louise, t'as raison. Ouais. C'est ça, on est d'accord. Donc tu te dépêches à faire le gâteau. Hop, Albert est parti. Tu vas réviser assidûment. Je l'ai même pas, on l'a même pas vu se lever qu'il est déjà parti. Le gâteau, il est prêt. La 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 la. Donc toi, tu fais pas de conneries. Tu mets des bougies d'anniversaire. Ouais. Oui, je sais que t'as faim, je sais que t'as faim. Oh là là. Tu sais quoi, tu vas nettoyer ça. Lui, il dort encore un petit peu, donc on a encore peut-être le temps de faire... Je sais pas si on a le temps de faire la lessive, parce que c'est très long, et là, il y en a partout. Tu vas nettoyer ça. On va le lever, hein. C'est pas grave, après, il sera grand. Mon petit Arthur, tu vas venir là.
Donc maman, elle nettoie. C'est bon, elle a nettoyé. Tant qu'il se déplace. Et après, tu vas aider à souffler les bougies. Arthur! Il ne restera plus qu'un seul bambin. Alors je pense que oui, c'est après qu'on devra faire tout ce qui est 1910, donc on a encore le temps. Pour les traits de caractère que je ne peux pas choisir. Arthur Grandi! Arthur, est-ce que tu es mignon? Oh, il a les cheveux bouclés. Mais pourquoi ça continue la life? C'est pas censé être pause? C'est bizarre. Bref, en aspiration, on va lui mettre faculté mentale. Et en trait, il avait créativité. Ah, bah, je plutôt alors créativité. Et en trait, on va le mettre joyeux. Voilà. Voilà pour Arthur. Bon, de toute façon, on voit quand ils sont enfants, c'est pas encore... Compétence 3, créativité, déjà. Ok, du coup... Bah tu... Oui, on peut manger, hein. C'était l'anniversaire d'Arthur. Happy birthday, Arthur. Toi, tu vas prendre un bain. Et tu vas aller aux toilettes. Joséphine, surtout, tu manges. Tu as raison. Sustente-toi. Et après, tu vas vaquer aux tâches ménagères. Tout ce qui va être lessive, parce que là, il y en a pas mal. Le bac est plein. Et il y en a plein dans, partout dans la baraque. Donc ça ne va pas du tout. Bon, les enfants. Voyez, ces deux petits triangles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a le cinquième gosse en route? En route vers la grande famille. Da, 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 da. Tu vas faire la lessive, connasse. Dans la lessive, dans la bassine, oui, c'est ta destinée. Alors, il est où, lui? Faites-moi voir cette bouille de rouquin. Un rouquin. Qu'est-ce qu'il va faire? Viens! Ah ah ah! Ouais! Ouais! Arrête de sourire comme un idiot! Pour un peu plus juger de ta tête. Il est content, hein? Oh, je suis content! J'ai grandi, c'est mon anniversaire, je suis content! Qu'est-ce que tu fais? Mettre dans le panier à linge? Non, 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 tu laisses faire ta mère! Tu sais quoi, tu peux débarrasser ça. Pouf pouf. Si tu t'ennuies. Mais arrête avec le linge, mec. C'est quoi ces gamins qui sont bien élevés? Tu vas nettoyer ça aussi. Oh, Joséphine est un peu déjà plus. Il est même pas midi, elle a déjà fini sa life, quoi. Tu vas débarrasser ça. Pierre Nard! Mais qu'est-ce que tu fais avec du linge? Non mais c'est pas à toi de faire le linge. Pierre Nard, tu es en bonne santé. Tu vas t'occuper du jardin. Il y a pas mal à faire. On va aussi gagner pas mal de pognon, il me semble. Toi, donc tu vas faire la table des décorations de fête Bordeaux. Joséphine n'a toujours pas fini de ramasser le linge partout. Et là, je pense que ça y est, elle est bonne pour la lessive. Et elle va sûrement tomber la tête la première dans la bassine. Parce qu'il a un archi crevé. Je dis ça, en plus, il y a un nain qui fait dans sa couche, qui est pas encore levé. Allez, midi pile, elle commence sa lessive. Bon courage, ma jolie. Ouais, je sais ce que c'est, la vie. Courrier distribué. Ah oui, on est lundi. 1539 simflouz de facture. Connasse! On te hait! On te hait! Lui, il a mis la table... Mais c'est bien, mon petit. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas manger. Et après, on va améliorer tes qualités personnelles. Tu vas jouer au docteur. Jouer au docteur. Est-ce que... Fais-moi voir un peu où tu en es. Responsabilité et empathie, c'est pas GG. Très bien. Puis, il faudra bien sûr lui mettre un lit et réaménager la chambre. Du coup, je vais peut-être faire ça assez rapidement. Voilà, elle commence déjà à voir tellement fatiguée et elle va se pisser dessus, ça va être comique tout ça. Ça va être très comique. On croit en toi, Joséphine, tu peux le faire.
You can do it. Ok, t'as fini la lessive. Tu vas vider la lessive. Accrocher à la corde à linge. J'arrive, j'arrive. Je vais te sauver. Ensuite, tu iras pipi. Et tu iras faire une sieste. Alors, pourquoi c'est pas ton lit? Ça devrait être ton lit, ça. Ça a toujours été ton lit. Mon dieu, voilà le monstrosaure. Gustav. Gustav s'est réveillé. Ah, il va manger un bout de gâteau. Il va devenir hystérique. Oui, oui, viens chercher à manger, mon petit. Viens, ne t'inquiète pas. Elle a posé son linge, c'est parfait. Il y a au moins ça de fait. Elle se pissera pas dessus. Et elle tombe dans les vapes avant d'arriver à son lit. Ah bah oui, hein, parce que si madame est enceinte, c'est mort quoi. D'ailleurs, elle a plus qu'une seule flèche. Hein. Ouais, pas possible. Tu vas dormir un petit peu du coup. T'as fini de faire quoi toi? Non, tu vas pas prendre de l'eau? Dis donc. J'ai dit non! Arthur, je sais plus. Tu vas... Ah! Projet scolaire! Ah ah ah! Projet scolaire pour les deux. Ok. Ben non, mais toi tu vas travailler ton empathie. Albert. Ouh, Albert, ça va pas trop. Alors non, tu vas pas forcément manger, mon petit. Tu vas prendre un bain avant. Puis tu vas aller aux toilettes. Puis tu manges. Louise. Arrêtez avec vos verres d'eau, vous me cassez les couilles. Louise, ça va plutôt pas mal. Mais écoute, tu vas nettoyer ça. Tu vas ranger ça. Voilà, tu te rendras utile à la société. Ranger le bouquin ici. Le pauvre Gustave, il est laissé complètement... comme ça, là. Je sais plus ce que je dis. Libre dans la folie du monde. Ce pauvre petit enfant. Il va se balader. Bon, oh, bah, au moins ça le fera, ça l'occupera. On va le faire balader ici, à l'autre bout du terrain. Hop, il va aller là, ici. Puis il va aller là. Ah bah oui, non, parce qu'ils savent pas. Ils sont cons, les Sims. Va là-bas, va à l'autre bout du terrain. Mais pourquoi tu vas dans l'autre sens? Bon, c'est pas grave. On va pas commencer à se... Hein. Alors Louise, bravo Louise. Tu peux du coup te laver les mains et te laver les dents et puis tu feras tes devoirs. Ah non, tu vas faire ton projet scolaire. Tu vas venir là. Et tu vas commencer à travailler soigneusement. Surtout que ça dure tellement longtemps de faire les projets. Lui. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, bah, sors de ton bain si tu dois pisser, hein. Je sais pas. Toujours son petit problème de sourcil, faudrait que je règle ça. Et tu vas faire ton projet scolaire aussi, ici. Et tu vas commencer à le travailler soigneusement. Ça se sera fait. Albert, il m'a cassé le robinet. Comment va Joséphine? Est-ce que elle... Ouais, on va arrêter de la faire dormir. Parce que là, ça va pas. Bon, si, elle est re-enceinte. Bon, tant mieux. On va remettre ça ce soir pour elle et Albert. Albert. Non, on ne couche pas avec son fils, non. Elle et Pierna, et puis elle pourra manger après des fraises pendant sa grossesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, tu sais, bah, tu vas pouvoir t'occuper un peu de ton gamin. Non, alors, avant toute chose, tu vas vider l'eau. Tac. Ensuite, tu vas prendre Gustav. Tu vas discuter. Gustav, il doit faire quoi? Est-ce qu'il devrait pas aller apprendre à aller au popo? Je l'ai mis indépendant, j'avais oublié. Et bah du coup, tu vas lui apprendre à parler. Tu vas éliminer la journée. Et tu vas lui apprendre des choses à ce gamin. Éducation. Non, bah non. Tu vas juste être... apprendre à parler, voilà. Et Pierre-Nard, dès qu'il aura fini, il va regarder. Il va regarder quoi? Il va réparer ça en un tour de tournevis. Voilà. Elle était bonne cette grosse sieste, hein, ma petite Joséphine?
Quanky. Mais tu devais lui faire plein de trucs. Faire des grimaces. Enseigner dans les animaux, c'est déjà fait? Apprendre à parler. Ouais, bah là, la gerbe, hein. Tu devrais reconnaître quand ton corps te dit je suis enceinte. Ah bah voilà, il va déjà venir réparer. Nickel, c'est-à-dire que le jardin, il est très très beau, il est très parfait. On a toujours la petite musique qui va bien. La musique... Et on peut pas encore... Non, c'est quoi? C'est où pour évoluer là? C'est lequel qu'il faut évoluer? Il y a trop de trucs. Bah écoute, tu vas tout récolter en attendant. Il est très énergisé, mon petit. Si tu veux, on pourrait faire courir un petit peu, hein. Un petit jogging. Alors, elle, elle lui apprend des trucs. Les deux, ils font leur projet scolaire. On va dire que pour l'instant, tout va bien. J'entendais des petits sons bizarres. Et je viens de me rendre compte que c'était le petit carillon qu'on avait mis à la porte. Qui faisait des petits bruits. Là, forcément, il se... Pile quand je regarde, il fait plus rien. Ça va venir, vous allez voir. Il va y avoir une petite animation, un petit bruit. C'est tout mignon. Ah. Alors, c'est léger, hein. Mais je me demandais d'où ça venait. 6 compétences facultés mentales. Bravo, Louise. Tu es intelligente, ma fille. Parfait. Elle a bientôt fini son projet. Pierre-Nard est parti faire un petit footing. Vous pouvez admirer la bête un peu. Ah. Parfait, Pierre-Nard. Parfait. J'aime bien son petit cul, moi, Pierre-Nard. Bon, bref, hein, on va pas fantasmer sur des Sims, puisque là, on serait très très mal barré. Mais... Non, voilà, non, on est bien. Finalement, la famille se débrouille, ça se passe bien. On a Arthur, le petit, qui est avec ses chaussures jaunes, qui s'amuse comme il peut. Et il faudrait que peut-être il fasse ses devoirs aussi, parce que lui, demain, il va aller à l'école. Donc tu vas faire tes devoirs. Et elle avait se coucher. Non, 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 non. Non, mais tu peux aller aux toilettes. Et tu vas aider après ton garçon à faire ses devoirs. Bon, et parce que comme tu dois faire, tu feras les 3 pour ton aspiration. Elle est déjà crevée. Ouf, ma pauvre, quoi. Alors tu vas aider à faire les devoirs pour Arthur. Voilà. Aider un enfant à faire ses devoirs 3 fois. Avoir un enfant en tenant une moyenne de A au lycée. Alors, de toute façon, on n'y est pas encore. Faut attendre que Louise, elle grandisse avant. Elle s'endort debout. Lui, il va manger. Ça va pas du tout, hein. Après, tu pourras aller jouer à la poupée. Gustave. Gustave de Saint-Paul. Bon, la vie est belle, quoi. Eh, ils ont toujours pas fini leur projet scolaire. Elle, c'est un volcan. Mais elle l'avait pas déjà le volcan? Si. C'est pas grave, hein. C'est pas comme si on faisait 15 000 fois les mêmes trucs, hein. Et toi, t'auras besoin de divertir. Très bien. Bon, bah voilà, Arthur, il a fini. Non, non, mais. Meuf. Elle est fatiguée. Tu vas manger un truc surtout. Toi. T'as récolté tout? Ouais, ah, là j'ai vu. Non. C'est lequel qui clignote? Ah, c'est lui. Mais... Je suis bigleuse ou quoi? Il peut plus faire évoluer ou pas, ou quoi? C'est... Ah si, là. Ah, yeah, on va pouvoir faire évoluer. Ah, ça y est, c'est moi qui... J'ai la berlue, en fait. Tout va bien. Ah, Louise a terminé son projet scolaire rapidement. Ben, c'est parfait. C'est bien, hein, ma choupette. Tu vas pouvoir le mettre dans l'inventaire après.
et tu iras manger parce que tu as enlevé ton interaction. Lui, ça va pas trop, hein. T'es tendu du slibard, hein, petit. Va être l'heure parce que 21h30, si les gosses ils vont pas se coucher, on est mal barré quoi. Arthur, t'es plutôt bien. Qu'est-ce qu'on pourrait te faire faire? Tu vas te prévoir une tenue, comme ça on va te relooker un petit peu. Et voilà, Arthur qui a des sourcils jaunes. Bon, en même temps, hein. Lui, il a les sourcils bizarres aussi, donc on dira rien. Je vais le relooker, le petit. Oh, c'est quoi cette... On dirait que t'as été fait avec Vladislaus, mec. T'es pas beau. T'as pas un beau profil, hein. Tu t'es quand même mieux, Albert. Elle aussi. Non, mais... Il y a eu un bug dans la matrice, là. Je trouve qu'elle ressemble à Vladislaus de profil. Il a un énorme front. Oh, Arthur, tu seras pas mon préféré, hein. Je te dis direct. Bon, je le relook et je vous retrouve juste après. Et voilà pour le relooking d'Arthur. Et je lui ai mis des petites lunettes parce que je me suis dit que j'en mettais vraiment jamais à mes Sims. Et que, ben, à l'époque, non plus les lentilles n'existant pas, si on a des lunettes, on doit les porter. Bon, après, j'ai pris la monture qui... Voilà, bon, je vais pas chercher. Je lui ai mis donc une petite coupe de cheveux un peu longue, un peu quand même sage, enfant sage. J'ai pas trop le choix en matière de coupe de cheveux des garçons. Donc, soit c'est très court mais un peu trop moderne, soit j'ai ça ou j'ai celle d'Albert, mais je vais pas mettre que celle d'Albert à tous les enfants. Parce que, bon, j'ai quand même 3 garçons. C'est quand même pas mal. Donc voici une première tenue de jour. La deuxième, donc je suis restée quand même dans les tons un peu sobres, chemise. On dira pas que c'est un jean, hein. On voit pas. On voit pas que c'est du jean. En habillé, le petit truc, voilà, le petit nœud de pape, tout ça, le petit gilet. La tenue de sport, on est, voilà, moche. La tenue de dodo, alors on garde les lunettes évidemment, on lui a mis un pyjama bleu clair cette fois-ci. La tenue de fête, on reste comme ça. Et la tenue pour le maillot de bain, évidemment à l'époque on n'était pas à moitié nu, bon même si les enfants pouvaient je pense. Et ben moi j'ai pas envie. Voilà pour le relooking d'Arthur. Et voilà, je pense qu'il est à l'air heureux le petit Arthur et il faudra pas oublier de lui faire aussi une chambre. Bon, elle tient plus la route. Elle tient plus. Tu vas nettoyer ça rapidement. Pierre-Nard, est-ce qu'on peut? On peut. Tu vas aller faire pipi. Non, 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 tu laisses ça. Voilà. Elle va le faire. Toi, tu vas faire pipi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, non. Non, mon petit, tu vas pas dans ta chambre parce que tu n'as pas de chambre. Bon, bah après le relooking, on va passer donc maintenant à la... au moment où je vais donc refaire l'étage pour caler une deuxième chambre et une petite salle d'eau. Je vous retrouve du coup juste après. Bon, les enfants, j'ai un souci avec, je sais pas, le mot de construction. J'ai mis un lit ici, mais en fait je peux pas... Bah là ça fonctionne maintenant, non mais... Non voilà, vous voyez, je peux pas remettre... Je peux prendre un bon objet mais je peux pas le remettre ailleurs en fait, c'est... je sais pas ce qui se passe. Donc peut-être mon jeu qui bug, je sais pas. Mais c'est très chiant. Finaise. Je peux même pas... Je fais ça 15 fois, ça se remet même pas en... je sais pas. Et c'est vrai que j'ai eu quelques soucis aujourd'hui avec pas avec le PC, mais avec le jeu. Je sais pas, il plante en ce moment, donc je sais pas. Bon, ça m'énerve, je vais avoir le truc en plein milieu. J'ai voulu... Parce que ça va pas marcher, ça. Je peux pas le poser. Je peux pas. Donc, bah... Ça m'agave, ça m'agave. Bah là, ça y est. Non mais... Non, non, je peux pas le remettre, hein. Il y a des trucs que je peux, et des trucs que je peux pas. Non, ça veut pas prendre. On va vendre. Je peux même pas vendre. C'est quand même grave, là. Là, on va demander
baignoire, mais en fait ça les vend pas. J'en ai quand même profité pour changer le lit, ça a fonctionné au moins, ça c'est bien. Donc pour l'instant, voilà, il va manquer des trucs dans la maison. Je peux pas la remettre. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. C'est chiant, voilà, tout simplement. Oh, j'essaie de d'être comment dire positive, vu qu'en plus je peux plus bouger, ça je peux plus bouger. J'ai remis un lit ici, c'est pas grave. On va faire ça comme ça pour cet épisode, parce que là, je vais péter un boulard, je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne peux rien faire. J'ai même fait un truc pour faire une pièce, ça m'a retiré l'argent, mais je vois pas où est la pièce. Hein. Donc, on va dire à quel point c'est buggé. On va donc s'arrêter là pour la construction, c'est tant pis. Moi, j'ai essayé de voir si je peux pas faire ça autrement. Du coup, toi, bah ouais, tu vas prendre ce lit-là, hein, tant pis. Vous allez dormir dans la salle de bain à côté des toilettes et de la baignoire. J'y peux rien, c'est pas de ma faute. Tu peux aller dans la chambre ou comment ça se passe? Lui, il a terminé son projet scolaire, c'est parfait. Oui. Non, tu vas pas aller dormir, quoi que si, tu peux, il est l'heure. Ça c'est fait. Parfait mon petit, tu peux prendre mettre dans ton inventaire. Tu peux... Non, tu sais que tu vas faire, tu vas manger. Tu vas manger ton omelette. Toi cocotte, avant d'aller te coucher. Il est où Pierre-Nard? Pierre-Nard, il va regarder son fils. Vous allez refaire un bébé, même si bon, elle est déjà enceinte logiquement. Moi, ça conforte les chances d'avoir un marmot dans le tiroir. Toi, tu vas manger. Tu vas écouter aussi de la musique. Voilà. Ça va te faire du bien. Au moral. Petit bout de chou, il va aller aux toilettes. C'est parfait. Louise. Louise, elle est plutôt bien. Je sais pas, tu peux... Attends. Dans ce cas-là, tu vas... Encore jouer au docteur. Et t'avais pas une poupée avec toi? Non, bien sûr. On va prendre ce truc-là affreux qui a pas du tout, on est d'accord, d'époque. Hein. Et puis après, tu pourras aller dormir. Alors la chambre, c'est du grand arbre. Ah, mais il y a quand même de la place pour aller se coucher. Parce que moi, de là où je voyais, je pensais pas qu'il pouvait y aller. C'est pas grave, les garçons vont dormir ensemble dans la chambre. Salle de bain. C'est pas plus mal. Lui... Il écoute. Eux, ils ont fait crac-crac là-bas. On va pas oublier aussi à faire tes devoirs, mon petit. Tu vas faire tes devoirs. Non, toi aussi, tu vas faire tes devoirs avant d'aller dormir. Réussir ses devoirs haut la main. Bah, ça veut dire qu'elle est... Elle a un B! C'est bien, hein. Et lui, il a C. Mais il va bientôt augmenter de... Je pense. C'est bien, Albert. Tu te débrouilles bien. Je suis fière de toi. Et Gustave, il fait son petit truc dans le... Tranquille, tout seul, comme un grand garçon. Bon, faut le temps. C'est tout le temps de la préparation et après, les vannes sont ouvertes. Voilà. Il a fait son petit popo. 23h50, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas empiler un petit peu et après tu iras... Dormir comme un grand garçon que tu es. Voilà, nous on s'occupe pas de toi, Gustave. Tu fais ce que tu veux. Ouais, son divertissement remonte, c'est parfait. Son empathie aussi. Elle a compatissante. Yes, yes, c'est ce que je voulais. Là, elle va contrôler un peu ses émotions. Ou pas d'ailleurs, parce qu'elle a déjà rangé son jouet. Et après, ma petite, tu pourras aller dormir. Albert. Lui fait ses devoirs. Je vais vous aider. Ouais, comme ça j'aide aussi Joséphine. C'est vrai que j'ai complètement oublié, j'ai pas de poubelle dans la maison. Oh, on dira que c'est seulement la poubelle qu'il y a dehors. Joséphine fait un gros dodo. Alors du coup le lit c'est une meilleure qualité, c'est un puissant suite au niveau du sommeil, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment se régénérer encore plus vite. Et pleinement et parfaitement, donc ça c'est cool. Bon bah Albert... Non, il n'y a pas d'ordinateur ici. Tu peux écouter de nouveau intensément. Et après, tu iras te coucher. Tu seras bien.
Et tu m'excuseras pour l'étage, mais que tu dormes à côté des toilettes et de la... Mais c'est vrai que là, j'ai pas pu faire autrement, hein. C'est complètement buggé. Mais c'est bizarre que du coup, je vois ça. Avant, je voyais le toit, je voyais pas ça. Donc effectivement, ça a peut-être ajouté la pièce que j'ai voulu ajouter. C'est pas grave, je vais mener l'enquête. Je vais débugger encore mon jeu. Et puis, on verra. Devoir terminé pour Louise. Ben, c'est parfait, ma petite. Tu vas pouvoir aller te coucher. Moi, je vais éteindre la musique. Et Gustave. Gustave, il doit déjà retourner faire pipi. Bah, tu vas aller au pot. Et tu vas aller dormir. Non, pas aller ici. Tu vas dormir, c'est ça. Allez, Gustave. Il ne reste plus que toi. Réveille dans la maison. Tu as vraiment ton indépendance. Tu es un grand petit garçon. Gustave? Allez, hop, c'est tellement long. Ils vont se réveiller tous et lui, il aura à peine fait un petit bout de caca, quoi. Mais bon, ça va aller, on va y arriver. Ça y est, il a fait son petit truc. Maintenant, il va aller se coucher. Ouais, trop bien, je vais enfin aller dormir. Bon, à 2h40 du matin, j'espère bien que t'es content d'aller dormir quand même à ton âge. Allez, bonne nuit Gustave, dors bien. Voilà, alors en tout cas, moi c'est là-dessus que je vais vous laisser en espérant que cet épisode vous aura plu. Désolée pour le bug, je ne sais vraiment pas ce qui se passe, c'est la toute première fois que je vois ça. Donc je vais voir, je vais redémarrer, débugger et compagnie, je vais essayer d'améliorer ça. Et je vous retrouve pour le prochain épisode du DK Challenge ou toute chose, je vous embrasse très fort. Allez, salut!